Salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vendre sur Facebook Marketplace. Okay, c'est très facile. Premièrement, on va aller dans Facebook. Okay, voici, on est dans Facebook. Et ensuite, on va cliquer sur la section Marketplace. Voici la section Marketplace. Okay. Et pour vendre ici sur Marketplace, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur ce bouton ou cette option qui dit « Vendre ». Vous allez cliquer sur cette option vendre, que okay, ça va charger, que okay, votre APQ va charger, le voici. Ici dans votre APQ, vous pouvez voir toutes les annonces actives. Moi par exemple, j'ai 106 annonces qui sont actives, que okay. Et les annonces à renouveler, voici 3 que performance vous pouvez la trouver ici. Et pour créer une annonce, vous devez juste cliquer sur cette option qui dit créer annonce. Ok, et si vous avez ces 3 options, vous pouvez choisir si votre annonce est une attique ou un véhicule, et aussi si c'est une maison à vendre ou à louer. Ok, par exemple, si votre annonce est une attique, vous devez juste cliquer sur attique. Ok, si vous créez une petite annonce, et si on a toutes ces options. Cette première option, c'est pour mettre les photos de l'article en question. Okay. Cette option, c'est pour mettre la photo de l'article en question. Par exemple, choisissons une photo. Okay, choisissons cette photo. On peut choisir plusieurs photos. On peut choisir plusieurs photos. Cliquez sur terminer. Ok. Voici notre photo de notre annonce, photo des iPhones. Et si tu veux mettre le titre de ton annonce, par exemple, titre de l'annonce que je viens de choisir, c'est iPhone, iPhone 12, ou mettons iPhone 14 Pro Max. Donc voici notre titre de annonce qu'on veut publier. Ici vous allez mettre le prix. Si vous ne voulez pas mettre le prix, vous pouvez mettre juste 0. Ok, vous pouvez juste mettre 0. Ici la catégorie, c'est déjà sur téléphone portable, mais si c'est pas sur téléphone portable, vous pouvez la changer ici en cliquant sur l'option catégorie, et vous choisissez votre catégorie. Ok, ici l'état, vous allez mettre l'état. Ok, si vous pouvez choisir neuf ou location comme neuf, voici c'est la deuxième option. Si vous venez juste d'acheter le téléphone et ça pas duré, vous pouvez choisir cette option location comme neuf. Ok, voici la description. Vous pouvez mettre la description et vous pouvez également laisser votre contact. Ok, mettons une description très rapidement. Ok, voici notre description. Ok, ici, lieu, vous pouvez modifier le lieu. Ok. Okay, on a aussi cette option en bas qui dit masquer les amis. Donc, vous pouvez masquer vos amis. Genre, si vous, avant de, ou après avoir publié, vos amis qui sont aussi sur Facebook ne peuvent pas l'avoir. Ok, si on clique sur masquer les amis, ça va masquer tous nos amis. Donc, même si notre ami fait la recherche de iPhone, notre annonce ne va pas s'afficher. Ok, et c'est tout. Et après avoir fait ça, vous allez cliquer sur publier. Et le voici, c'est en train de publier. Ça dit publication. Ok, on le voit, ça dit actif et en cours d'examen. Donc, Facebook va examiner cette annonce pour voir si ça. Ou c'est pas une mauvaise annonce. Donc voici comment créer une annonce sur Facebook Marketplace. Merci.